De base, on a un groupe d'amis en fait. Et du coup, c'est vrai qu'on a tous ce projet de monter ça ensemble et pour revendiquer nos valeurs, pour créer la première fête à Chambéry. Ça partait un peu du désir de la communauté LGBT de Savoie qui se sentait pas assez représentée. Donc on a eu beaucoup d'échos de gens qui sont venus nous voir et qui savaient que l'association existait déjà. Donc on faisait un peu plus de la prévention et de la sensibilisation. Et après on s'est dit bon bah allez, c'est peut-être la bonne année pour essayer de commencer à lancer les choses, sachant qu'il y a quand même des prides à Grenoble, à Lyon, à Annecy. Et on s'est dit voilà, pourquoi pas aussi à Chambéry. Intéressé à tout ce qui, enfin tous les sujets liés à la transphobie, on va avoir un témoignage là-dessus d'ailleurs, et également harcèlement scolaire. Faut savoir qu'on fait principalement de la prévention et de la sensibilisation dans les collèges et dans les lycées parce que voilà, c'est là où l'éducation commence à se faire. Et cette année, on a vraiment axé nos combats au niveau du harcèlement et la transphobie. À titre individuel, je suis particulièrement touchée. La ville de Chambéry cherche à faire en sorte que la ville soit sûre et que tout le monde se sente confortable et à sa place dans la ville de Chambéry. Et clairement, il n'y avait jamais eu de marche des fiertés à Chambéry et on est très content et contente de cette initiative aujourd'hui. On l'a soutenue avec les moyens logistiques de la mairie. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça touche toutes les tranches d'âge et on a souvent les mêmes commentaires qui reviennent de gens qui sont plutôt adolescents ou plutôt grands. Et ce qui choque en général les gens, c'est de se rendre compte que finalement la communauté est assez présente mais qu'il n'y a pas forcément d'acteurs qui essaient de pousser le processus un peu plus loin en favorisant justement une intégration et un rassemblement de la communauté. Ce qui est assez choquant aujourd'hui, c'est que voilà, il y a quand même énormément de gens qui se font juger, insulter, moi y compris dans la rue, quand je rentre chez moi juste après les soirées. Et on n'a pas vraiment de moyens pour se défendre, si ce n'est que de ne rien dire et de pas calculer. Qui mettra nos masques, on ira le faire, et quand on sera les masques. C'est lesbienne. 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 Je m'appelle Alex. J'ai 14 ans, je suis en seconde et je suis un homme trans, omnisexuel et polyamoureux. Mon histoire a commencé en 5e, je me suis déclaré bisexuel et cisgenre, puis au fil du temps je suis devenu demi-girl, non-binaire, gender fluide et la trans et omni. De même, pour mon orientation, je suis passé partout jusqu'à omnisexuel. Je l'ai vécu moyennement car je me faisais et me fais toujours harceler. Que ce soit dans le milieu scolaire ou dans la rue, il y a toujours des personnes aussi fermées d'esprit qui se permettent de se moquer et de nous juger. Mais bon, on ne peut rien y faire. J'ai également fait mon coming out à mon père et ma sœur. Je n'ai pas été mis à la porte, mais ça aurait pu être le cas. J'ai perdu ma complicité avec eux. Ils n'arrivent toujours pas à comprendre et continuent de me genrer et de m'appeler par mon day name. J'arrive à m'assumer de plus en plus. La preuve, je suis là. Après, pour survivre, entre guillemets, à ça, j'ai énormément compté sur mes amis, qui d'ailleurs sont là aussi. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour apprendre à m'en foutre. Donc vraiment, je vous conseille de croire en vous et en vos amis. Vous allez y arriver. Merci pour lui. Gay. C'est des hommes qui sont, enfin, une personne genre et homme qui est attiré sexuellement par une personne genre et homme. Cantal Savoie, c'est une association de dialogue entre les homos, bi-trans et les parents famille amis. C'est-à-dire que dans l'association, il y a tout le monde. Les homos, les bi, les hétéros, les trans, les cisgenres, tout le monde. Association qui existe maintenant depuis 2007. Effectivement, elle a pour but essentiellement le dialogue entre tout le monde, dans la mesure où ça nous semble très important que les uns et les autres se parlent.
qu'on a besoin de tout le monde et qu'effectivement on fera évoluer le monde LGBT aussi avec les personnes qui ne sont pas LGBT. Important parce qu'effectivement ça apporte une grande visibilité au monde LGBT et que, comme l'a dit tout à l'heure très justement le président de LGBT Savoie, c'est très important que on ait droit d'exister, que les personnes LGBT aient le droit d'exister comme les autres. D'ailleurs, cette marche, c'est d'abord avant tout pour dire on est là, on existe et on a envie de vivre avec les autres, parmi les autres. Bisexuel. Bi. Bisexuel. Bi. Bisexuel. Bisexuel. B, c'est bi. Donc du coup, c'est une attirance envers les deux genres, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, une ville sûre, justement? Bah, c'est une ville où les gens peuvent marcher dans la rue, où il y a deux filles qui se tiennent dans la main et qui ne se font pas insulter. Ça veut dire un garçon qui est habillé et maquillé comme une fille, le maquillage, l'habillage regarde chacun et chacune et personne n'est là pour décider de comment on doit s'habiller. Aujourd'hui, je fête une petite victoire. Je suis en drague dans la rue à Chambéry. Ça peut paraître insignifiant pour vous, mais ça représente beaucoup pour moi. J'ai vécu ici une scolarité très tumultueuse et violente. J'étais le petit mec efféminé et pédé dont pas grand monde ne voulait au collège. Alors oui, c'était des propos homophobes, des agressions physiques et mentales. Je n'avais pas vraiment conscience de ces choses-là à l'époque, donc naturellement, je me suis adapté. Je me suis masculinisé, j'ai fait attention à mes gestes, à mes vêtements, à ma voix pour avoir du passing. Je vous raconte ça aujourd'hui car j'ai longtemps enfoui cette violence, toute cette peur, toute cette rage. Mais lorsque j'ai quitté Chambéry pour Clermont-Ferrand il y a 6 ans, j'ai eu l'opportunité de tout recommencer, de repartir à zéro et de réaliser tout ce qui m'était arrivé. J'ai trouvé un cercle d'amis safe qui m'ont fait me sentir à ma place. J'ai arrêté de paniquer à chaque fois que quelqu'un s'approchait trop vite de moi. J'ai arrêté les cauchemars et j'ai repris du poil de la bête. Aujourd'hui, 6 ans après, je suis fièrement out. J'ai fait du drag mon métier. Je suis en couple avec l'amour de ma vie depuis plus de 5 ans. Je suis arrivé là en priorisant ma santé mentale et ma santé physique face aux exigences et aux besoins des autres. Si vous êtes dans cette situation dans laquelle j'étais il y a 6 ans, tenez le coup, soyez fort, vous êtes beau et vous avez le droit d'être là, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être heureux. Battez-vous pour vous et pour vos rêves. Tout n'est pas noir, tout n'est pas sombre. Et je finirai en citant ce célèbre slogan de Pride, « We're here, we're queer and we won't disappear ». Je cache pas, voilà, je revendique que je suis une femme trans et ça se passe très bien. Après je pense que c'est les gens qui ont peur. Voilà, après on peut être agressé en étant trans, noir, arabe, il n'y a pas de. La connerie elle est partout, je veux dire. C'est beaucoup de méconnaissance et beaucoup de peur, on va dire ça. Et c'est dommage qu'il n'y a pas plus d'ouverture d'esprit. La mairie a installé hier par exemple un drapeau LGBT, LGBT au niveau de passage piéton. Il a déjà été enlevé aujourd'hui et c'est justement la raison pour laquelle on veut manifester. C'est-à-dire qu'on sent que c'est quand même des sujets qui sont assez pas forcément acceptés et tout dans cette région, parce que la Savoie c'est une région qui n'est pas forcément ouverte à ces genres de sujets. Et c'est exactement la raison pour laquelle on veut marcher, pour dire que voilà, on est présent et qu'on est unis tous ensemble et qu'on sera beaucoup plus fort si on est tous ensemble. Et que voilà, il n'y a pas que la communauté LGBT qui est présente. Il y a aussi les hétéros qui sont là et qui nous apportent leur soutien et on ira voilà, de plus en plus fort d'année en année. Alors on a vu que la ville avait participé, enfin entre autres, hein, à des bandes arc-en-ciel le long des passages piétons, quelque chose qui était assez joli, assez visible, et ils ont été enlevés. Alors est-ce que ça a été enlevé par la ville ? Bah non, ça a été enlevé par des gens que ça a dérangé pendant la nuit. Au quotidien, je le sais parce que je l'ai vécu, quand on se fait harceler, quand on se prend plein de petits...
plein de petits mots qui sont blessants et puis genre, et des remarques par rapport à notre identité. On se remet beaucoup en question et on peut se sentir très seul. Et ça peut être une occasion pour toutes les personnes ici présentes de savoir que même dans l'adversité, quand elles ont des épreuves, elles sont pas seules, elles ont une communauté qui les entoure. Et c'est aussi un moyen pour nous de se rassembler, de fêter notre diversité et aussi de faire passer certains messages pour ceux qui le veulent. Transsexuel. Trans. T'es trans? Trans. Transgenre. Trans, du coup, transsexuel. C'est une non-reconnaissance du genre qui a été assigné à la base, à la naissance. C'est une personne dont le genre n'est pas en raccord, enfin le genre assigné à la naissance n'est pas en raccord avec celui qu'elle souhaite exprimer en société, tout simplement. Et donc cette différence, elle peut apparaître à n'importe quel moment, et elle peut être de diverses façons que ce soit. Et c'est important que la personne l'identifie et qu'elle le traite à sa façon, voilà. Moi, je suis une femme trans. Voilà, c'est pour qu'on soit reconnu au niveau administratif, comme dans la vie de tous les jours, en vrai. Voilà. Le fait qu'on n'est pas né dans le corps biologique qu'on souhaiterait et qu'on se revendiquait dans un autre genre. Ma compagne est une femme trans, outée professionnellement, médicalement et puis dans la sphère de tous les jours. Administrativement. Oui, oui, voilà. Et professionnellement, tout est OK. Après, il faut une belle force de conviction et pas perdre espoir parce que c'est tous les jours un combat, malheureusement. Et il y a des belles choses, mais aussi, malheureusement, c'est compliqué aussi. Mais il faut pas perdre la bonne voie. En fait, à la base, c'est quand même doté d'un moyen de reproduction qui t'est c'est un droit finalement et t'es supposé pouvoir en bénéficier. Alors le fait que finalement tu t'identifies à un genre ou à un autre, pour moi c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Le droit à la naissance et le genre qui t'est assigné ou que tu souhaites t'assigner sont deux choses totalement différentes. Et je pense qu'on doit donner le droit à tout le monde, si la possibilité de pouvoir juste donner la vie, de donner la vie, parce que c'est quand même un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir sur Terre. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'un transgenre qui est un homme peut porter un enfant. C'est ça, tout à fait. Harcèlement moral, physique, j'ai été victime d'agressions sexuelles, enfin moi personnellement j'ai su surmonter ça. Après c'est pas la chance de tout le monde et c'est important, c'est pour ça que c'est important qu'ils sachent qu'ils sont pas seuls et que si ils ont besoin d'une oreille attentive ou juste d'être entouré par des personnes bienveillantes qui les comprennent, on est là. Après, il y a des regards, il y a des choses comme ça, mais je pense qu'une manifestation comme ça, oui, c'est bien parce que ça permet aux gens de voir qui on est, de nous voir tels que nous sommes et pas tels qu'on nous dit qu'on est. Et certaines personnes ne nous voient jamais, ne se rendent pas compte de qui on est, et donc ça leur permet de voir qu'on est joyeuse, qu'on est heureuse, et ça, c'est super cool. Et d'enlever un peu l'image qu'on nous donne dans les médias d'hystérique. Voilà. La liberté, on en a besoin. On a besoin d'un retour à cette liberté, libre de ses choix, libre de sa vie, libre de tout. Et je trouve qu'on a un besoin de retour aux valeurs et à l'amour. Et l'amour, c'est ça, c'est accepter les autres tels qu'ils sont dans leurs choix. Voilà. Queer. 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 Quoi queer? C'est... Oui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se définit pas encore en homme et femme, mais je sais pas où il se trouve en tout cas, mais qui se cherche. Là, c'est ça. Pour moi, c'est l'identité qu'on se donne. Elle est propre à chacun. C'est...
une identité qui s'est propre, une identité, un genre qui est propre à la personne. Pour moi, après il y a plein de mouvements qui vous diront plein de définitions. Ça va être des individus hommes cis, femmes cis ou trans. Qui vont pas forcément se reconnaître totalement pour moi dans, dans les catégories prédéfinies. Et je pense que ça englobe, tu peux être, moi je suis gay et queer, comme quelqu'un peut être trans et queer. C'est pas un genre ni une sexualité, je pense que c'est une façon d'être. C'est un état d'esprit finalement. Ça, ouais, pour moi c'est ça. Après j'ai pas la définition exacte, mais... Queer, c'est tous les genres qui sont LGBT, qui sont pas définis dans la norme de l'hétérocentrisme et des personnes cis. À Contact Savoie, c'est qu'effectivement on fait des interventions au milieu scolaire puisqu'on a l'agrément éducation nationale et on est de plus en plus souvent sollicité maintenant par rapport aux problèmes de transidentité et par rapport aux formations sur ce problème-là. C'est-à-dire que par exemple on intervient dans les écoles souvent non plus auprès des élèves uniquement mais également auprès des professeurs, par exemple pour former les professeurs. Sinon, Besoin, hein. On a vu la campagne terrible qu'a subi le planning familial. Hein. Oui, il y a besoin, mais c'est normal. Je veux dire, je ne dis pas que le phénomène est nouveau, mais la vulgarisation du phénomène est nouveau. Les gens, pour la plupart, ne sont pas du tout au courant. Il y a tout un vocabulaire à connaître, toute une réalité qui leur échappe complètement et qui nécessite d'être formés pour ne pas être maladroit, justement. C'est très important. Intersexe. C'est quoi intersexe? C'est pour les personnes qui se définissent ni en tant que homme, ni en tant que femme, cis. Je rapproche les choses. On les appelle aussi non-binaires. C'est ceux qui se définissent pas dans ces deux cases principalement. Tous les gens qui sont nés avec des caractéristiques sexuelles, soit primaires, soit secondaires, qui ne s'affirment pas strictement dans homme ou femme. Hyper intéressant parce que j'ai regardé un reportage là-dessus avant-hier. Une femme qui s'identifiait ni homme ni femme, qui, par exemple, tu n'es femme finalement, tu as des poils qui commencent à pousser, la société te dit bah finalement non, c'est plus assigné à l'homme, tu te dis bah non, moi finalement avoir de la barbe ça me va très bien, je vais la garder. Et l'intersexe c'est vraiment un croisement entre tous les sexes, voilà. Il n'y a pas vraiment d'identification A ou B. On va faire un gros bisou à la vidéo. Asexuel ou aromantique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est des personnes qui ne ressentent pas le besoin d'avoir des rapports sexuels. Asexuel. Aromantique, c'est que on ressent pas de sentiments amoureux. Ah, c'est les alliés. Les alliés, c'est ceux qui sont sensibles à la cause LGBT. Et j'ai tendance à assimiler aussi les hétéros comme alliés, parce que voilà, ils sont sensibles à notre cause, tout simplement. C'est asexuel. Asexuel, c'est quelqu'un qui ne ressent pas d'attirance sexuelle pour des personnes, peu importe leur genre. Parce qu'il y a une catégorie qui monte, hein, on le sent, dans la population, c'est asexué. Oui, tout à fait. Les asexués, c'est des gens qui ne ressentent pas forcément de désir sexuel envers envers un prochain. C'est vrai qu'aujourd'hui, on part du principe que tu es obligé de faire l'amour à partir d'un certain âge et que voilà, alors qu'il y a des gens qui ressentent tout simplement pas de désir sexuel. Et pour moi, le désir sexuel, c'est encore une fois quelque chose qui est propre à chacun. On peut être un être humain, profiter de sa vie sans forcément vouloir coucher avec les gens, tout simplement. Moi aussi je peux. Oui, c'est vrai. Mitraillez-moi d'amour. Mitraillez-moi de love. De queerness. Ouais, la tête dans les fleurs, c'est cool. La tête dans les fleurs. Vas-y, dirige-moi. Ouais, c'est beau. Il y a le plus. Alors, c'est quoi les amis? Ça, c'est les amis.
Les alliés. Les alliés. Voilà. Je peux pas vous dire comme ça parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ça regroupe, vu qu'on peut pas mettre tout le monde et qu'il y a beaucoup de sexualité, de genres différents, voilà. Plus, on va dire, c'est ceux qui sont s'identifient pas forcément à tous les acronymes qui ont été donnés. Mais bon, après, c'est encore des définitions qui sont assez personnelles et donner une définition exacte à ces termes, je pense que c'est quand même assez compliqué.